Alors, il y a effectivement un temps d'intégration au niveau des chakras. On ne va pas, paf, tout ouvrir en une fois. Je pense que c'est un chemin qui vient titiller votre âme au moment où vous en avez besoin, au moment où vous êtes prêt à justement vous reconnecter ou vous connecter simplement à la profondeur de votre être, à votre chemin de vie. Et donc, parfois, ça peut créer des inconforts parce que ça vient réveiller des vieilles mémoires ou ça vient titiller des blessures. Et donc, je pense qu'il faut se laisser le temps aussi d'intégrer ce changement, d'intégrer ce mouvement, d'intégrer en fait notre transformation. On prend souvent le rapport au papillon, il ne devient pas un papillon en un jour, il se transforme. Il prend le temps de maturer sa pleine explosion. C'est vraiment un moment un temps en fait. Et le temps, il est propre à chacun. Il est vraiment propre à chacun parce que comme on est tous uniques et qu'on a tous des parcours de vie différents, on a chacun notre résonance par rapport à tout ça. Et en plus, il y a des milliers de facteurs qui rentrent en compte. Donc juste le message, c'est de se laisser le temps d'intégrer, se laisser le temps de la douceur, accepter les phases un peu plus inconfortables comme étant une véritable preuve de votre transformation aussi, de se dire voilà, vraiment d'avoir cette foi dans le cœur que c'est juste pour vous et que c'est le chemin que vous devez prendre parce que ça fait partie de votre éclosion, de votre évolution et de votre magnificence et d'aller ouvrir en fait à ce plein potentiel. Et je vous promets que même si c'est un peu chahuté, il y a toujours un moment où vous vous direz merci. Et vous féliciterez de ce chemin parcouru avec vraiment ce temps de pause et d'intégration quand ça vous convient, quand ça te convient à toi, sans comparaison aucune avec qui que ce soit d'autre, juste pour toi.